groupe il est un peu marqué par ses défaites parce qu'il pensait pas ça. Alors déjà après Auxerre, ils en ont fait peut-être aussi à cause de moi, ils en ont fait un drame absolu. Et je leur ai dit, voilà, il faut faire preuve de nuance et d'équilibre. On est dans les cinq premiers, on fait un bon début de saison. Si on casse la spirale et qu'on fait un bon match contre Niort, tout se passe très bien, quoi. Il y a plus, on pourrait être beaucoup plus inquiet. Il y a eu des débuts de saison beaucoup plus difficiles, voilà. Après, le groupe, c'est un groupe professionnel. Hein, si c'est sur le plan de l'ensemble de la... des blessés, des suspendus, c'est pas des bonnes nouvelles. Ndiaye est blessé gravement, Cabot revient lentement, Jonathan Pereira revient lentement, Koné s'est fait expulser ce week-end, donc ce ne sont pas des bonnes nouvelles. De l'ensemble, c'est sur le plat physique. On a le sentiment que véritablement, il faut qu'on tienne jusqu'à la deuxième trêve internationale pour récupérer tout le monde en bonne forme et avoir une équipe. Parce que ce qui fait les bons résultats, on l'a vu en début de saison, c'est la concurrence. Et la concurrence donne une émulation extrêmement positive pour avoir des points, pour prendre des points. Et là, ça manque quand même. Voilà. Donc c'est vrai qu'on est dans le dur. On est vraiment dans le dur face à une équipe de Niort, en plus, qui est hyper performante, quoi. Elle a perdu un match à Dijon, face à l'équipe Dijon qui est devant. Et ils ont perdu un match à 92e, alors qu'ils auraient pu faire la différence avant. Sinon, ils n'ont pas perdu. Donc là, on va recevoir une... voilà, avec Dijon, la meilleure équipe du début de saison, quoi. Avec nous aussi. Si tous les ans, on fait un début de saison comme ça, moi, je signe tous les jours. Hein. Tous les jours. Avec 4 victoires, etc. Sauf que si on l'a fait, ça veut dire qu'on est capable de le refaire. Il faut voir aussi nos petits soucis de gestion d'effectifs, quoi. Puis je vous répète, je préfère que ce soit maintenant de mes problèmes. J'espère pas avoir de problème entre le mois de février, entre janvier et le 30 mai. Si on peut surfer là, c'est l'idéal. Mais non, on construit notre saison. Alors évidemment, ne croyez pas qu'on veut gagner, on veut tout gagner, c'est évident.